c'est chouette d'avoir trouvé ça parce que c'est une jolie histoire. On a ici les restes d'un bolet. Mais alors, moi, je sais que c'est un bolet parce que je reconnais ce qui est jaune. Ce qui est jaune, c'est les spores d'un champignon qu'on appelle Chrysosplenium cepedonium ou Hypomyces. Alors, je crois que c'est Orantium ou Orantiacum, mais j'ai un doute. Bon. Ces Hypomyces, ce sont des champignons parasites de fructification de bolet. Donc, c'est-à-dire que votre fructification de bolet, elle va très rapidement rentrer en déliquescence. Et ça fait un espèce de jus. Hein. Il en reste qu'un espèce de jus qui, vous voyez, sur les doigts, c'est tout juteux, c'est beurre. Bah, simplement parce qu'en fait, ces Hypomyces produisent des enzymes qui digèrent le champignon. Exactement comme sur un camembert, les filaments de champignon produisent des enzymes qui digèrent le caillé plâtreux qui est à l'intérieur du camembert. Vous savez, vous avez une espèce de fond de liquéfaction qui progresse. Donc c'est de la digestion, quoi. Ça réduit en petites miettes moléculaires, en petites molécules, la structure. Bon, bah, du caillé, dans le cas du camembert ou du champignon, là, et les petites molécules obtenues peuvent rentrer dans les cellules du champignon. Alors, soit du champignon de la croûte du camembert, soit ici de cette Hypomyces. Et ensuite, cette Hypomyces produit des spores qui vont être dispersées par le vent et aller regermer sur une autre fructification de bolet. Ça a une odeur très forte. Est-ce que vous voulez me dire ce que ça sent? Il y a une odeur très nette. Hein. Tu l'as senti? Très très nette. Allez Malo. Ça sent pas bon. Tu peux tenter? Ça pue, oui, mais ça pue quoi? Mais ça sent le vieux crabe. Pourri. Mais oui, oui. Mais oui, ça sent les fruits de mer pourris. Ça sent les fruits de mer. Ouais. Exactement. Au Canada, la tête de crabe, ouais. Il y a un Hypomyces. Tête de crabe, en plus. Ouais. C'est spécial. Hypomyces lactifluorum, voilà, qui transforme des russules en une espèce de gros truc rose, ouais. Informe, ouais. Mais qui n'est pas digéré. C'est-à-dire qu'il est encore un peu ferme. Et ça, c'est hyper prisé parce que ça a le goût. Alors, lobster de homard ou d'écrevisse, ça a le goût de crustacé. Transforme une russule complètement quelconque en un quelque chose d'extrêmement apprécié, en un joyau gastronomique, avec cet Hypomyces au Canada. Bon, ici, on a l'odeur, mais on n'a pas le plat à servir. Donc, encore un parasite de champignon. Et ce n'est pas qu'un décomposeur, hein, c'est vraiment un truc qui va réduire la durée de vie de la fructification, donc la durée de production de spores.